Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé ce matin, nous allons parler carnaval. Karel Pedre avec nous. Et Karel Pedre, c'est porte-parole comité qui vient pour mission organiser carnaval national. Le palais de carnaval national selon disposition. Autorité n'a pas parlé de carnaval qui va le faire au Kaila. Nous avons l'autre spécialiste avec nous, c'est Leslie Morail. Leslie lui-même, c'est monsieur qui a gagné une spécialisation dans les affaires logistiques, construction, stand et autres. Alors avec monsieur, nous voyons qu'on est que qui genre de disposition qui doit prendre pour stand pas tomber, même si que ici on bat record dans la question stand qui va jamais tomber. Et pour qu'on ait un gros dégât dans ce sens-là, mais quand même, il faut certaines dispositions, il faut qu'il y ait des mesures préventives pour éviter qu'il y ait des dégâts, quel que soit le côté carnaval a fait. Mais qu'il y ait commencé avec Karel, que nous avons salué. Karel Pedre, bonjour. Et son plaisir pour l'accueillir la matin. Bonjour, Wendel, vous connaissez un rendez-vous chaque année pratiquement. Oui, il semble ça, parce que vous dites que vous pratiquement un porte-parole officiel. Non, il pas officiel puisque le mandat a fini en mai, mais si vous si reconduisez deux années suivies, je pense peut-être. Donc ça veut dire qu'on retourne avec vous encore. C'était ça. Non, jamais 203. Bien sûr. Ok, nous comptons être capable de parler. Leslie Morail, bonjour. Merci parce que vous avez accepté de lever bonheur matin pour venir là. Parce que avant, vous avez dit que vous avez perdu l'habitude de lever bonheur, bah, ça, vous n'avez pas de l'école encore. Bon, c'est vrai. On est Mabdi et Wendel, bonjour. Merci pour l'invitation. Mais m'a dit aussi cuisine là tout caméraman tout pour bonjour. Et puis bonjour à tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, on cap suivre le point. Merci. Monsieur on fait ça on l'autre gens et non pas prêté dans carcan habituel là. Si vous parlez de philosophie carnaval là, car elle là nous dit carnaval en Haïti, ça il est beau, ça le représente pour vous-même. Et il représente un pile bagaille et pour moi. Et pour moi, je pensais que moi commencé à venir d'amour carnaval que moi j'étais tout petit. Et moi c'est mon bord de paix, donc chaque dimanche j'étais qu'on gagnait mardi gras. Ça veut dire des gars taille cordio, monde qui déguisé, des monde qui fait carnaval normalement. Mais c'est là vinn puis gamm vinn comprendre que li vinn entrer nos traditions, nos cultures. Et là par exemple même qui Jacques Mel, ou Jacques mon Jacques Mel intégré au carnaval là, carnaval a définitivement tout nos fêtes tant que comme d'arado ça. Li pour moi parce que carnaval plus important pour des mouns que fait drapeau pays. Dans la mesure où il y a une implication personnelle qui fait dans le carnaval. Il y a des gens qui courent le carnaval toute vie. Il y a des gens qui passent de génération en génération. Il y a des gens qui, dans la rue, qui mettent l'huile sous le corps, c'est parce que papa a mis l'huile sous le corps. Il y a des gens qui déguisent, qui mettent peinture, c'est parce que papa a fait. Il y a des gens qui sont en bande, c'est parce que son tradition que lui. Et il réalise que une grande tradition culturelle, ça, son mariage qui est extraordinaire. C'est vrai que, et comme je dis, dans le début des années 90, peut-être, et les capable de corriger, il y a une commercialisation qui vient faite dans le carnaval en termes d'importance que vous venez dans les groupes musicaux. Qui vient en classe terni essence carnaval qui c'est bon à pied déguisement avec ambiance quartier en particulier et puis moi crois que qu'on y a le fait que moun yo vinn faire carnaval là tout en affaire d'état puisque c'est toujours l'état qui organise soit c'est ministère de la culture pendant période et puis ces dernières années avec le gouvernement en général qui mettait mais pour organiser carnaval là vinn faire que carnaval là vinn tourner rond ou qu'on tient une fête nationale. Mm-hmm. Parce que c'est plus gros fête nationale que nous gagnons. Et l'autre jour, je m'ai regardé un article de National Geographic qui dit que Haïti est capable de pauvre, mais Haïti est un pays qui est riche en créativité et carnaval là, c'est le seul espace, c'est la plateforme que le pays a gagné pour exprimer la créativité. Ça. Merci, Karel. Alors, Leslie lui-même, monsieur, pas trop grand passé, non, non. Mais monsieur, il gagne deux, peut-être deux ou trois jours. Et en plus, il vit plus bagaille que nous, n'est-ce pas? C'est sûr, c'est sûr. Ok, c'est sûr. Maintenant, on a parlé de carnaval. Jean Vigné, aujourd'hui, là. Et qui j'en comprends, carnaval, là? Bon, mon cher, mais bien content, peut-être pas bien éloquence Clarel, qui est sous c'est la communication libre, comme ça. Mais moi, j'en aborde des questions. Le carnaval rete et demeure un bail traditionnel. En pile tradition, particulièrement le carnaval de Port-au-Prince. Mm-hmm. Et c'est à partir de là que je me dis que
côté vinge expression artistique là. Non, Jacques Bel Captain, il n'y a pas fâché. Non, il n'y a pas fâché. Le premier, c'est moi. Non, 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 on n'est pas fait ça. Pas fait ça, oui. Non, premier, c'est moi. Parce que moi aussi, aussi, quand on a dit, conscient de carnaval Jacques Bel là. Et c'est pour ça que moi-même, m'a toujours dit que si après Port-au-Prince, si un carnaval qui est extrêmement riche en couleurs, de tradition, qui côté le côté artistique, bon grand pas prépondérant, c'est Jacques Mel. Moi-même. Mais moi, je ne sais pas si Non, 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 non. Non, 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 qui ça représente dans la vie haïtienne? Ça lié pour vous-même? Bon, je me dis, son bail est traditionnel. C'est peut-être ça que nous avons perdu en tradition de carnaval Port-au-Prince. C'est un bon bagage, c'est un bon échec inouï. Inouï. Pas vrai? Je pense que le monde doit faire carnaval quand vous voulez, quelle que soit commune qu'on y est. Mais si un bagage qui rapporte, et qui rapporte pays, hein, c'est le carnaval de Port-au-Prince. Et l'autre carnaval Port-au-Prince, hein, par exemple, où on doit des tour opérateur, m'a passé de artistique et traditionnel là, à comme on a dit, financier. Bah, vrai. D'ailleurs, lundi, bah, tu as une interview avec Wou Farrell, qui on est à respecter, il dit ça. Il était le fond analyse lundi, il dit qu'on prend au niveau, par exemple, le carnaval, au niveau et financier. Ok? Si vous avez qui pourrait apporter le pays, c'est lui-même. Ou bien des tours opérateurs. Ou bien vous avez fait des gens atterrir au côté de la Cap, après American Airlines, qui s'est venu dans le carnaval. Pas vrai? L'irrité, il fait deux jours au Cap, là, le Citadel, là, le Milo. Après ça, l'a descend. Il descend, il fait deux, trois jours côté des Arcadins. Et puis l'atterrit Port-au-Prince. Donc ça veut dire que vous retombez. Et si nous faisons carnaval. Oui, mais maintenant, est-ce que nous vendons carnaval là à l'extérieur suffisamment? Mais le problème, parce que jusque-là, peut-être que je suis capable de tromper. Si c'est le cas, Karel, d'après constat, pas hésiter, mais remettez vendre à l'heure. Est-ce que nous avons l'impression que c'est plus diaspora qui vient en Haïti, vient participer dans le carnaval. Autre que touristes étrangers, tu as raison. Autre que touristes étrangers. Comme si, ou pas, ouais, comme si Mdadou gagne des bateaux de croisière. Mais après, tu es là, ou bien même étrangers qui viennent, en majorité là-dedans, c'est l'autre haïtien pareil qui mène. Ça veut dire que c'est haïtien et diaspora qui mène. Je crois que vous êtes en train de vous tromper. Parce qu'à un certain moment, dès les années 80. Non, là, nous n'en connaissons, oui. Ah, ouais, ok, connaissons. Non, mais c'est connu là. Non, mais même pas nous. Donc, connaissez-vous comme trompé ou non, non, traditionnellement, pas vrai. T'es un paquet de bonnes, pas vrai, touristes, étrangers, qui t'es débarqué dans le carnaval. Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire que si nous t'es perpétré, bah, là, nous t'es continué à organiser, nous t'es fait du carnaval là, on bagaille. Réellement, comme d'a dit, sérieux, faut que nous n'ayons ni touristes étrangers, ni diaspora actuellement. Ça veut dire que si nous suivons la tradition, nous sommes de loin. Tandis que moi-même, j'ai l'impression que ces 5 dernières années, c'est bac que nous faisons. C'est bac. Sur le plan organisationnel ou pas? Sur le plan d'a dit, et conception, comme d'a dit, conception carnaval. Pas vrai? Carnaval a vu une autre bail, par exemple, sous Chenmas, encore que ça, m'a dit nous. Sous Chenmas, pas vrai? Où ils te vendent des places, ou mettez des plateformes, tout on a travail, des bagages comme ça. Et pour nous, c'est un bagage qui est relé. Un bagage qui est relé, comme on a dit, décoration. Mais tout le monde est à la même enseigne. Par exemple, ou tu prends étudiant, que ce soit lycée ou bien collège privé, il y a même un petit budget, ça, il y a fait des semaines, mais comme on a dit, qui était longtemps plus représentatif que des gros chaînes, que des gros compagnies qu'on fait. Je vais oublier ça, bonjour. Pourquoi c'est 83, 84? Et puis, je me suis fait un petit stand et puis nous avons marqué Standus Tripus. Mais tout petit stand avec moi et nous. Et puis, mon cher Bob le Moine qui t'a monté. Et puis, je me suis regardé, je me suis sous stand, mais Bob a regardé, on connaît, a filmé, bah, comme ça. Et puis, Bob il fait un petit coup de pied. Et puis, moi, je redescends. Et puis, moi, je me suis campé devant stand, et puis, je me suis filmé. Et puis, moi, je me suis avec un large sourire. Ça veut dire que quand on y est, si ce n'est pas que comme d'adou, au fond, c'est un qui coûte 12 000 dollars. Écoutez, bonjour. Je vais permettre que je pose une question. Est-ce que ce n'est pas tout le bagage qui évolue? Moi, je recevais l'autre monde qui parlait de carnaval là, sur le plateau ça, il dit tout que
époque carnaval, bande est entrée à 7h, 8h du soir. Je dis, c'est 11h, elle est en char passé. Ça, c'est yon. Ou pas de besoin de toute l'agence pour un groupe, une bande sortie tout. Donc, est-ce que. Ou pas de besoin de toute décibel, ça, autour. Est-ce que c'est pas. Carrel a dit ça. Est-ce que c'est pas résultat de l'évolution? Mais évolution, peut-être, dans le sens de ce qu'a dit, laissez utiliser deux mots que je voulais citer sur vous, c'est organisation avec concept. Je pense que, au point de vue organisation, nous avons déjà laissé aller, vraiment. Pour quelle raison? Parce que pendant que le carnaval, c'est priorité, et l'homme dit en priorité en termes de vue et politique culturelle pour des gouvernements, mais pas jamais vraiment, et tout le monde a parlé de ça, pas jamais gain pile temps pour un comité vraiment organisé, et il y a qu'on y a. Parce qu'il faut gain temps pour définir un concept, pour justement chercher un budget, pour comment on peut l'exécuter. Et c'est pour moi-même, c'est ça qui pratiquement tout plus gros problème que nous gagnons qui fait que nous verser ou nous faciliter. Parce que facilité que nous verser nous la donne très simple, c'est que nous connaissons que nous avons un groupe déguisé quand même, et puisque masque là ou bien il pas mandant pile temps pour faire costume, nous gagnons jazz musique qui a fait un carnaval quand même année ça dans plaisir carnaval nous recevoir 822 meringues. Ça veut dire c'est pas problème sans record, c'est pas problème jazz que nous gagnons. Et puis nous connaissons que justement a gagné des compagnies tant qu'on parle Leslie ou bien l'autre compagnie qui a fait stand. Et puis nous sortons point A dans le point B et puis nous dit que nous faisons justement carnaval. Ça veut dire un bagage tout ça veut dire il va là pour tout côté, il va là pour Jacmel, il va là pour Port-au-Prince côté que le carnaval en soi, n'est pas organisé. Voilà. N'est pas organisé. Même défilé à Cap Fête, on sait de côté, même au niveau de Jacmel, c'est pas. Il n'y a pas de ordre. Tout le monde connaît que ça va passer, après ça, ça va le passer. Il n'y a pas de programme pour poursuivre, c'est même quand on fait un reportage comme journaliste, on va aller à deux, on va identifier les. Et le comité aurait pour tâche, tout simplement, et payer l'argent. Payer l'argent et puis même font défiler tout, peut-être ça. Et que donc, c'est question organisation qui, Jean-Christian Farel t'a dit dernièrement, manque de planification qui fait que, ou pas qu'à rentabiliser le carnaval haïtien. Mais, est-ce que aujourd'hui, on ne va pas poser problème là? Ça que tu as fait, Kounia, là, pour nous rentabiliser le carnaval, fait que touristes capables de sortir l'autre bord de l'eau, venir en Haïti. Alors, l'aime parler de touristes, on va parler uniquement de. Haïtiens qui sont dans la diaspora. Yeah, c'est tout ici et tout. Non, parce que si on parle de tourisme local, on est café. Donc, nous, mais on dit que le bail carnaval, là, ça a été gagné longtemps. Permettre, par exemple, que y ait des bateaux croisés qui connaît que qui dit que y a vin avec un millier, deux milliers de 2000 touristes, par exemple, il y a vu un carnaval en Haïti. Est-ce que ça est possible? Oui, c'est possible. Même parce que faut que nous justement venir à un concept et transformer produit. Parce que ça nous vient là, il y a consommation locale et bien sûr et culturelle. Ça veut dire qu'il faut qu'on on culture. Mais toujours par exemple, ça, chaque fois que je fais une interview, je dis, et je parle de ce qui passe. En 2015, moi mené trois étrangers dans le carnaval. Et une sortie Cameroun, une sortie Montréal, une sortie Belgique. Ils sont venus deux premiers jours à amuser. Le troisième jour, je vais chercher, je dis, on va aller. Pour quelle raison que je dis, on va aller? Parce qu'ils ont estimé que c'est même bagarre là que vous attendez. C'est même son jazz qui prend un petit parti qui fait en 10, 30 à 40 secondes et puis il a répété. Pour eux-mêmes, il était fatigant. Donc, moi-même, comme haïtien, c'est belle ambiance. Ça veut dire qu'il faut que nous peut-être justement redéfinir pour nous faire balance, pour que nous capables de connaître qui ça peut être un étranger carrément dans le carnaval là, car nous pour nous-mêmes nous offrir et qui ça un haïtien tout capable d'accepter, découvrir comme nouveauté dans le carnaval. Je pense que si justement nous chitons. Est-ce que vous avez un parti culturel? Il y a un parti culturel, il fait photo avec groupe, il vraiment bien content. Mais c'est même pendant tous les trois jours. Justement, c'est même pareil pendant tous les trois jours, mais ambiance musicale là, à leur avis, t'es dérangé. Donc pour moi-même, je pense que. Nous devons connaître. Nous croyons que Gampil Baye a fait ce côté nous là, et que le Trinidad, que le Jamaïque, que le Brésil, Saint-Martin, que le Brésil, etc. Pour nous garder, qui ça a tiré, mon Dieu. Nous toujours prenons le carnaval Brésil comme une sorte de référence, mais c'est deux bagages totalement différents. Totalement différents. C'est bagage, non? Et bien voilà, même penser que nous sommes capables d'ajouter des bagages en plus. Par exemple, longtemps, et ils ont dit qu'on a un bal carnaval, par exemple. Ça veut dire qu'on a un défilé, après ça, on a un bal carnaval. Ça, son produit, nous pensons capable d'intéresser son touriste, par exemple. Ça veut dire trois amis ça a comme des gens qui étaient dérangés pour qui pas venir pendant le troisième jour, ils ont été dans l'hôtel, ils ont pas la fin. Alors si tu es capable d'avoir une ambiance extra dans l'hôtel là, tu es capable d'avoir un bloc party en côté, mais qui toujours entré dans l'aspect carnaval là. Non mais bah étranger a pas un plaisir même j'ai avec nous carrément. Ça va le faire danser, ça va le mettre plaisir tout bon. Non. C'est pas lui qui va intéresser lui-même, il va pas venir pour ça. Mais viens aller plus loin carrément. Parce que premier bail quand on a dit au fuck nous entendons sur yon bagay pour pas gen comme d'a dit antagoniste ça pas gen chiri pizza c'est comme ou même dit comme ça que
le Brésil, même fait exprès. Parce que vous imaginez que vous étiez pour un gouvernement arrêté et puis il paraît, il dit, bon, et traditionnellement, bah, là, c'est Rio le fait, nous pouvons le faire, nous pouvons le faire le Kounia, Sao Paulo. Mm-hmm. C'est pas normal. Mm-hmm. Ça veut dire qu'à la base. Attention, pendant qu'on dit ça, tout, mon correspondant au Brésil, mon correspondant au Brésil qui dit, qui bon, moi, à peu près. Gen kote ki te kon fè karnaval, yo pa ba yo kom anko. Evidemment, gen d'autres. Oui, gen des priorités pour le karnaval. Non seulement gen priorité, mais gen d'autres problèmes qui à la base. Mm-hmm. Par exemple, son l'autre gouvernement qui monté, gen question de corruption, gen moun qui était dans qui pas sous pouvoir encore, qui fait que c'est pas de ça m'a parlé. C'est pas de non, ça m'a parlé. Non, on a parlé de délocalisation carnaval là. Moi je vous dis que ça va pas faire au Brésil, mais moi je l'ai pas fait exactement, mais pas plus tard que hier, moi recevons un circuit de correspondant métropole qui au Brésil et qui a parlé de carnaval qui dit que et en bien ça pas même gens encore parce que on va continuer même le dit pas là par exemple comme d'adjo où arrivé et nous arrivé en 2017 donc un carnaval qui pour fait bon on est d'accord ça veut dire que ou gen doit vle délocaliser d'ailleurs son monde qui était participé à première expérience au Kaila ça veut dire que me vivre carnaval là en dame à ce moment là comment dirais-je, j'étais un conseiller pour le ministre culture, là, Pierre-Raymond Dumas. Et moi-même, pour moi-même, c'est un bagage qui était intéressant. Allons voir, pas vrai. On râler, on sortir le traditionnalisme, là. On garder ça le bout. On innover. Quand il y a l'homme garder, ce que ça veut dire, si un carnaval qui l'est fait au CAE, même penser qu'il faut avoir des infrastructures, même gens avec Jacques Mel. Avec son bail qui là, son produit coca vende. Mais on ne peut pas dire qu'on va faire un carnaval au CAI à Nissa, pas vrai? Ah, pourquoi on fait un carnaval au CAI là? C'est tout chat qui prend n'importe où presse. C'est tout gros compagnie qui, comme d'habitude, qui va vendre bois, qui va descendre. Ça veut dire que, quand la première fois, l'homme gardé, il y a 6 ans de ça, qu'est-ce que le carnaval de CAI a laissé pour la ville de CAI? Il n'est pas vrai, pas dit ça. Et Mère Gabriel, il n'est pas d'accord. Et il parle toujours de moi. Qui t'aime? Non, qui t'aime, met ton point, rapide. Mais je ne sais pas. Mais il n'y a pas de motion. Ok, pas de motion, pas de rôle. À cette époque-là, Mrechita, c'est là, comprends-tu de ça. C'est là, et hôtel Gabriel Fortuné, son mène que je connais bien, nous avons des amis qui connaissent Mouri. Mais il faut que nous ne nous pas prendre le carnaval là. Et puis ensuite, que nous choisissons. Des gens pour que nous défendions. Pas vrai? Non, pas défendre, mais d'abord, fait. Non, ça veut dire que. D'abord, on fait, ou dit rien, d'abord, juste, on fait. Non, mais est-ce que. Un moment. Combien d'argent ça va coûter? Actuellement, aux contribuables, pas vrai, pour nous faire un carnaval au Cayo. Laissez-le. Ça, même, on fait. Le fait qu'on dit rien, Mbaljo et Wendell, peut-être, et son information que m'avait divulguée, ou qu'on a plus chambre l'hôtel au Cayo. Dans le moment où on a parlé là, matin, que tu as gagné en 2012, que justement, tu as dit que tu fais partie de. Malgré Mathieu. Malgré Mathieu. Bien sûr. Donc, qui ça qui t'a fait toute chambre d'hôtel ça où tu as créé? Éventuellement, il y a qui commence à créer ou bien qui t'a commencé à bâtir pendant justement la période carnaval. Est-ce que vous connaissez que justement, il y a plus que 280 maisons qui paraissent pour accueillir les gens dans l'Okaï? Est-ce que justement, vous connaissez que il y a un pile tronçon de route et d'autres travaux d'infrastructure qui t'a. Et en suspens après Mathieu qui veut continuer là qu'on y a. Donc on pas pral rete dit rien parce que qui ça passe moi même moi pas mon au caï moi pas vivre au caï pas vraiment capable bon réalité et caïen yo mais moi même qui regarder de loin et qui justement a analyser fait données que moi gagne là même moi penser que dire que carnaval là pas de potent en 2012 moi penser que c'est pas. Bon, c'est même, pas, c'est très fort de dire. C'est peut-être très fort, mais il n'y a pas eu de suivi. Après Mathieu, nous sommes en train de refaire les mêmes choses. Tout à fait. Moi-même, je crois que carnaval n'a pas qu'à développer non plus. Carnaval, pas, j'en ai fait là, pas capable de produit de développement. Ça veut dire qu'il n'a pas développé Port-au-Prince non plus, il n'a pas développé l'autre côté. Mais il était une fête culturelle que nous sommes capables de transporter dans le pays. Moi-même, je suis pour la décentralisation. D'accord, mais à quel coût? Ah, justement, voilà. À quel coût? Voilà. À quel coup ça sont l'autre débat même pas du tout moi ouais surtout qu'on parlait de tradition etc ouais c'est ça qui est intéressant justement j'apprécie ça aussi même penser que carnaval là comme produit culturel pas capable et comme d'agadou ça et propriété en seul monde c'est un coup par exemple on regarde Jacques Mel pour dire que
Et est-ce qu'on l'autre ville capable d'encourager Jacques Mel? Bien sûr, l'autre ville capable d'encourager Jacques Mel. Si justement il y a des créateurs qui versent dans la création artistique d'encourager Jacques Mel, ils sont capables de venir. Mais là, je te rejoins, Clarel. Donc, je pense que faut que nous baillons l'opportunité. Moi-même, je crois que l'expérience qui fait année ça, peut-être oui, avec situation pays, il y a 6 carnavals et dans des villes différentes, etc., dans la même période de carnaval, peut-être au Carré Lamoué pour lui. Mais je pense que son travail qui est intéressant. Je ne vais pas faire un point là qui peut-être pas aucun rapport avec carnaval. Je parlé avec 2-3 élèves, une autre l'autre jour, et Wendell, et puis qui dit que, où qu'on est que dans pile côté dans le pays, on ne va pas qui ça love, les dit. Je ne sais pas ce que c'est la culture ou bien l'artistique. Ça veut dire pas des gens qui connaissent ça comme pièce théâtre, ce n'est pas des gens qui connaissent ça qui en création de mode, je ne sais pas de musique, je ne sais pas de grand chose, je ne sais pas peut-être battre tambour, etc. Mais il y a une série de aspects dans l'artistique que je ne sais pas. Et je crois que pour le carnaval, là, ou bien comme produit culturel, ou bien quel que soit l'autre produit culturel qui gagne, et m'impliquer vraiment, parce que à quel coût c'est très important. Comme vous pouvez dépenser la donne, c'est bien, mais retomber pour le jeune la donne, pour moi, c'est très important. Mm-hmm. C'est pour ça, justement, définition, concept, ou bien réorganiser, ou bien venir avec l'autre bagaille, c'est capable d'intéressant. Parce que pour déplacer, vous pouvez déplacer, vous pouvez faire dans l'île de la Tortue, vous pouvez faire la Gonave, mais c'est justement qui ça le faire. Oui. Moi, je suis d'accord avec, et mon côté, moi, je et Leslie, c'est surtout dans le fait que nous avons fait des bagailles dans le pays, nous créer des précédents sans que justement nous n'ayons pas suivi pour eux, nous n'ayons pas le long terme. Oui. Et je crois que c'est là pour nous aller pour le carnaval. Je suis d'accord, 100% clair, nous avons des bagailles, c'est ça, m'a dit. Si on va plaider d'accord, mais faut y camper. Ok, on va essayer, crason carnaval. Bien sûr. C'est ça qu'a fait à la porte de Brest. Oui, ensuite, m'a dit des bagailles. Au niveau ça, d'ailleurs, je me dis, pour ça, nous pas fait le comité carnaval, ça, il est. Les sponsors, parce que le secteur privé reste et demeure, il n'y a pas de apport au niveau financier. Non, bien sûr, au 3 quarts, pratiquement. Là, on a un secteur privé, on n'y a pas vrai, en 15 jours, où il faut aller descendre au caille. Alors que si lui-même qui vend nos produits ou le marketing, si, pour qui ça, pour que lui favorise les cailles, pas vrai, capable de vendre 1 million de billets pendant 3 jours, que le favorise Port-au-Prince, quand il va vendre 50 millions. C'est le secteur privé à côté de l'Ouralé. C'est pas tout presque pour le faire. Bien sûr. Vous prenez n'importe qui. Il n'y a que, comme on a dit, à cause d'influence politique. Pas vrai, ou réunion. Là, on est dans l'autre débat. Mais c'est ça qu'on a fait là. Bon, ok. On propose. On a tourné même une garantie que. C'est intéressant. Nous avons une question très animée. Je apprécie ça. Mais n'a pas obligé de retourner sur l'autre bagage parce qu'il faut parler de questions de sécurité et stand tout. Ouais, ouais. Et puis, Karel lui-même, en tant que porte-parole au comité, on va parler de carnaval au Caïl. On va parler de carnaval au Caïl. Je suis sûr qu'il va y avoir des désaccords encore, mais il faut nous parler. Non, pas un problème. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique de Radio et Télémétropole. Karel Pedre est notre invité et Leslie Mouraille. Merci d'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et nous parlons carnaval aujourd'hui avec Karel Pedre et Leslie Mouraille. Et bon, dites, alors, faut me rappeler que généralement, nous partageons avec invités ou réactions publiques, public métropole. Là. Un auditeur qui, malheureusement pour l'Esti, a un désaccord avec l'Esti. Donc, je pense que l'Esti est assez grand monde et assez capable pour lui souffler, défendre tête. Un auditeur qui dit que le président n'a pas déplacé le carnaval. Il dit pour aider mon caillou. Il a décidé de faire le caillou. Il dit que le plus bel carnaval après Jean-Claude Duvalier, c'est au CAI. Là, nous gardons ça qui est écrit dans le livre qui était sorti. Hein. C'était des bagages sérieux que le thé. Ça qui pas bon, c'est le carnaval qui est fait dans l'environnement de Port-au-Prince. Et quoi des bouquets? Et quoi des bouquets, tabac et autres. Défendez-vous là, non, et l'estime. Parce que bon, vous dites qu'on parle pour vous-même. Bon, moi-même, je ne vais pas me défendre. On est là, on est sur une question là, à connotation politique. Là, on a dit qu'on s'accueille président tel bail. Bon, on est. Non, justement, il dit que ou est côté politique question seulement, ou pas ou l'autre question de solidarité avec Monokai, il va être comme ça. Mon cher Marc, mais si, je pense que comme les politiques, je pense que si le gouvernement fait un bagay réellement sérieux pour Okai, il a essayé de mettre un plan Marshall en chose, et puis nous descendons, tout le monde fait solidarité, tout ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que les CAI seulement, le département est du Sud, il y a aussi le département de la Grenasse. Donc ça veut dire que,
comme nous faisons l'année ça, au cas, il y a les pitons nous descendent. Et Mabdou Bagay, la grande sont beaucoup plus affectés que les départements de choses. Eh bien, si c'est pour ça, si c'est la forme de penser ça, nous devons descendre Jérémy, nous devons descendre dans la grande, c'est pas au cas où nous devons aller. Donc ça veut dire que ça, question. Même songer depuis l'initiative ça, pourquoi pas jamais bien fait Jérémy? Est-ce que Jérémy a des capacités pour accueillir? C'est logistique là qui est trop cher. Bon, logistique là pour tant pile, mais où qu'on est que pour fond des filets au besoin gros boulevard et qui manquait en tout cas c'est dans Jérémy par rapport à peut-être construction de stand latéral, etc. Bon, monsieur, on peut avec question ça qu'on est là. Ça quoi passer au CAI? On allait. Au CAI, on a le carnaval national. Combien de groupes qui peuvent aller? Et nous gagnons, nous confirmer. Et pratiquement 14 chars que le comité a lui-même là-bas, mais il y a 3 autres groupes qui. Mais j'aime laisser réagir, l'ouvrir deux mains en l'air. Ça veut dire pas d'accord 14 là? Mais c'est le carnaval national. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec 14 chars? Ça veut dire plutôt une défaite. L'habitude fait carnaval avec 18 chars déjà. Ah bon, oui. Oui, mais au CAI aussi, t'es gagné plus que. Quel que soit les coûts. Attendez. Bon, ok. Qui ne m'explique pour les filles qui s'en a fait? Qui ne m'explique pour les filles qui s'en a fait? Mais on est exactement qui s'en a fait. Non, mais qui ne m'explique? Qui ne m'explique justement et téléspectateurs? D'accord. Okaï allait organiser son carnaval quand même. Ça veut dire Okaï t'a fait carnaval, même Jean-Gonaïve fait, même Jean-Jacques Mel fait, même Jean-Claude Bouquet, Carrefour fait. Donc, le président de la République et président élu à l'époque a annoncé que la bail justement au CAI solidarité pendant que l'a fait carnaval national. Ça que m'est capable dire que le carnaval national là qui par un terme qui a une définition fixe, c'est carnaval que l'État a mis focus sur lui. C'est ça que m'est capable que le dire. Par exemple, président est élu à l'époque, le t'a fait annonce, il a annoncé en 2018 la fête Port-au-Prince. Est-ce que ça veut dire que au CAI pas va faire carnaval l'année prochaine? Bah quoi, au CAI a toujours fait carnaval l'année prochaine. Mais focus là a sur Port-au-Prince. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les moyens, on dit les 50 millions de goudes que l'État gagne, que le bral bail dans le carnaval là, ni pral au CAI, ni pas pral Port-au-Prince, ni pas pral Gonaïve. Donc, qu'on y est avec moyen ça. Mais on dit tout que comme ça, pas prêté au CAI vraiment, c'est les groupes musicaux qui apprennent. Qui d'aime jour? Gagne une quantité comme qui pas prêté au CAI, bien entendu. Roberto Martino, l'Elfini, l'a prêté Miami. Et Chaba, l'Elfini, l'a tourné Port-au-Prince. Et si monsieur Wok Famille, c'est là, il a vivre. Et c'est là, il n'y a pas vivre au CAI. Donc, comme là, éventuellement, pas prêter au CAI. Attends, ça, on ne connaît pas justement. Il y a plus de 9 compagnies qui ont fait stand au CAI. Et la majorité là-dedans, c'est des compagnies de CAI. Mais il faut comprendre tout que il y a des capacités que les CAI n'ont pas gagné pour être capable de dire on seul une compagnie au CAI est capable de faire tout stand. Ou bien deux compagnies au CAI est capable de faire tout stand. Donc, il y a un mixel. Et il y a capable de dire une barrière qui est très importante en ça. Et c'est pour ça, justement, et Mère Gabriel Fortuné, tout le monde connaît force de caractère, monsieur et Jacques lui-même, il fonctionnait, t'es dit, ça que t'es passé en 2012, côté que justement, côté que, en 2012, c'était justement des mouns Port-au-Prince qui descendent à faire carnaval là au CAE, dit pas de faire année ça. Voilà pourquoi, premièrement, arrêté présidentiel pour nommer comité de coordination et de support là, sorti au monde capable de dire en retard, parce que arrêté à sortir 13 jours en carnaval là. Pas de pièce moyen que nous décafons au carnaval en 13 jours. Donc, et au CAE, t'es bien préparé, nous juste venir en support à au CAE. Qui veut dire qui ça que tout concept carnaval là, toute définition de ce carnaval là veut dire tout besoin d'infrastructure que vous avez besoin, c'est au CAI que vous passez. En partie et pas de pièce mon Port-au-Prince. Mm-hmm. Capable de par exemple moi même beaucoup à l'OCAI et même gagner mission logistique, mission et de coordination avec mission artistique quand qui allait. Là où arrivé tout le monde venir en seul mot au CAI Paris mon yoté gagner tout à fait au règne choisi, charo choisi, au compte qui ça que vous pral faire. C'est justement nous-mêmes qui ça nous fait nous-mêmes en support. Nous-mêmes qui ça nous fait en support. Moi, très précis, Karel. Moi, très précis. Par exemple, la planification, nous, par exemple, combien de scènes qui pourraient le faire au cas? Comme ça, okay. Combien de scènes? Nous, tu prévois en 115 gagner et plus de monde, nous croyons que nous avons privé jusqu'à 120 centaines. Ok, bon, ça, moi-même, ok, d'accord, moi, je ne sais pas la donne. Est-ce qu'on connaît combien de scènes? Non, mais pour que ce soit la donne. Tant que je suis venu. Est-ce qu'on connaît combien de scènes qui étaient construites? Non. En 2012? En 2012. Pas de chiffre 2012. On est fort qu'un chiffre. Moi-même, je pense que c'est très illusoire, ce qu'on dit là. Ça veut dire qu'en 2012, tu as gagné à peu près 48 scènes qui étaient construites. Tu as gagné plus. Moi, jour où je vais vérifier, tu as gagné 48 scènes qui vont même 50. Parce que, justement, malgré tout le bail que tu mets en place, le bail que tu descends, le bail qu'on s'arrête, le monde bagaille, pas de plus que 48 stèles. Je vois à l'ange. Je vais le vérifier. Moi-même, je pense que c'est très illusoire et très, comme on a dit, c'est dans l'air, vous voyez. Si vous pensez que
à moins que encore même je le fait pour Bayo secteur privé porte au prince là descend lié d'offert sans stand et nous on stand même garde mais c'est secteur privé toujours fait stand et les bon, si combien stand capri n'importe où prince mais le problème si gain Jean Boula, si c'est Jean nous t'es parti à comme d'hab ou créer bah ça avec Jean nous parti si on a bien pas d'abgain si me pas mettre mais il y a deux jours de ça nous pas d'abgain 10 stand n'importe où prince parce que le secteur privé a pas move du tout. Ah, parce qu'on sait que le monde qui dit non, tradition, nous ne pouvons pas perdre Dieu. Il n'est pas question de perdre tradition. C'est sept. Côté, ça nous fait qu'on y est, je vais me dire, nous battons tambour, ralliement, nous tambour cérémonie, nous descendons Jacques Mel, nous prenons point Kay Wendel, et bien sûr, pour nous faire carnaval et pas d'autres plus. C'est ça qu'on fait, c'est craser. Mais pas, pour moi-même, quand je regarde de loin, je ne pense pas que justement, et carnaval Port-au-Prince, c'est tout danger ça ou là. Alors que carnaval Port-au-Prince, qui carnaval national en général, lancé depuis le 15 janvier, c'est peut-être deux semaines après que ils ont dit bon, point bas, pas de carnaval, carnaval national en descente, en bas, il y a 13 jours. Kounien. Ok, par exemple, bon, nèg secteur privé qui est habitué à financer, bah, comme ça, combien comme cap dépenser pour carnaval carnaval que gouvernement bail pour carnaval au Cap au Caïla 50 millions. 50 millions. Bon, moi même sous les mapres aller bail là, il y a parlé de 120 millions. OK d'accord. Non, nous avons un budget prévisionnel, ça veut dire budget général là, c'est 240, mais on connaît que c'est secteur privé qui finance carnaval. Comme au sujet, parce que faut intéressant parce que on bail national pour nous. D'après vous combien combien bail là n'importe où présent. Mbaké ou Poudim. On va connaître. Non, c'est mon Poudim. Mais non, mais c'est Poudim, pas dans le ministère de la culture, pas dans le secteur privé. C'est Poudim ou dans le comité, ou c'est conseiller comité. Mais non, mais donc, ou même Poudim, tu fais partie de la structure nationale. Oui. C'est ça, en fait. Structure nationale, c'est que je connais. Qui s'agabaye au CAI, qui s'agabaye Port-au-Prince, qui s'agabaye Jacques Mel, qui s'agabaye. Non, mais c'est pas une différence. Non, c'est une différence, LST. Différence, c'est pas que. Non, je vais mettre un bon côté, Karel. Non, mais non. Bonne nuance, bonne nuance. Ah, oui. Le fait qu'on fait partie d'un comité du carnaval national, ça pas veut dire que ça pas veut dire obligé courant de ça fait avoir le prince au début pas vrai son concept pour que nous chita bien sûr dis-moi que pour le moment ou concentré parce qu'on pas grand pile temps ou concentré pour carnaval national là au Caire mais Jean-Doula, non, mais c'est pas une confusion. Moi, je ne suis pas au courant de carnaval naïf, je ne pas au courant de carnaval capoudaï. Traditionnellement, et vous faites ce deal, il faut qu'au courant de ça qui a passé, parce que on ne pas créer cette tradition. Mais si on pas bah information bagel c'est là que mando combien stand pour le programme game mando qui ça pour le programme jeune même non mais non mais est-ce qu'on donner ça au listi ou bien on pense que bien en pile donné non mais combien cop il prévoit pour le prince et bon forme d'gagne caillé avec vous mais le passé non non mais pas prince d'après bah 22 millions alors que comment stand pour prévoir budget on parle de budget parole on te dit que li a monté à 2.5 millions de dollars non parlons de budget pour seulement non cellulaire et budget pour seulement côté artistique nous pas rentrer dans jazz tout bagage non t'es 70 millions de gourdes oui. On parler pour tout carnaval là de 22 millions de gourdes par exemple ça me va faire avec lui et alors que j'en dou là non et nous dérapons bien bonheur nous-mêmes. Oui. Kounia, j'aime d'où là, c'est là-bas, là. Et secteur, on a parlé de secteur privé, secteur tout bas. Moi-même, premier, l'homme fait premier test, moi. Secteur privé n'a pas réellement, comme on a dit, sorti, intéressé, descendre au caille. C'est parce que le gouvernement dit tel bagage, il a réuni. Mais sous tes dîners, ça, parce que c'est côté intérêt, oui. Bon, il y a l'intérêt, comme on a dit, au niveau FECOB, il y a l'intérêt politique. Ils veulent descendre au CAI. Ils ont mis pression sur eux pour descendre au CAI. Là, ça, ils viennent là, comme on a dit, nous presque l'en couille. Bon, c'est le sang, moi-même, je dis, bon, ok, bye. Il y a un bail qui aurait la Mayotte. La Mayotte, là, pas vrai, qui ont un bel projet. Pas vrai, d'ailleurs, là, qui sur Facebook, sur tout bail, ça. Moi, elle commence à construire, là. C'est moi-même qui aime commencer à construire. Mais si on fait un campion, on va finir avec lui. On est des publics, là, comprendre ce qui a passé là, bien. C'est que Leslie, lui-même, le même comité qui a organisé le carnaval, n'importe où. Et quand même, le comité carnaval.
OK. Yeah. Donc, ça veut dire que l'intérêt apparemment divergent. Oh. Moi-même, je ne connais pas que tu as toutes difficultés ça dans le carnaval Port-au-Prince. Et pour quelle raison? Parce que là, on a regardé justement que le carnaval Port-au-Prince a déroulé. Ou bien, d'ailleurs, tu as reçu la maire de Port-au-Prince là et qui t'a rassuré justement sur l'organisation du carnaval. Je ne pense pas que tu as tout problème ça. Moi-même, j'aime bien le focus sur le OK. Moi, pas connais et comment l'étape de caisser l'argent pour l'autre carnaval. Yo. Mais ça me connaît que tu as dit justement dans une première réunion que nous avons fait dans le comité, c'est que. Et la présidence ou bien l'État ou bien le ministère de la Culture, etc., a pas accordé 4 chars, parce qu'on connaît que l'État a gagné 18 chars, il a pas accordé 4 chars à Port-au-Prince. Ça veut dire que fête fourni et pas abandonné par le prince. Non, pas quoi que yeah. Abandonné par le prince. D'ailleurs, ça fait moi j'ai étonné, j'aime Abdou, là, il n'y a pas que vous êtes premier dîme dans la réunion, parce que il y a un bail qui est important, c'est que moi-même, j'ai besoin qu'on. Qui ça me bral porter comme parole? Qui ça que lié? Et y'en a pas que vous te dit, c'est que Pagan et Brad Fer entre Port-au-Prince et les Kay. Dans le sens comme si. On a eu des arrangements, gros arrangements. Justement, et Pagan et Brad Fer entre eux-mêmes. Mais même, moi, pensais que le secteur privé, parce que pour te bah, là, blessé, et vous sentez que Jean-Philippe, Jean-Lessie a parlé, c'est le secteur privé, là, que Port-au-Prince peut-être te compter sous l'air à un certain niveau. Qui décide. Mais il y a un bail qui est important que je pense. Je pense tout que le secteur privé est capable beaucoup plus responsable dans le choix pas les comptes communs pour les balancer. Ça, c'est opinion personnelle. Maintenant, monsieur, par exemple, le temps, il y a maximum, maximum 8 minutes. Je vais donner une seconde pour me faire une précision. Ok. Je défends du bec et des songs, c'est vrai qu'on n'en parle pas au prince, c'est vrai qu'on aime des arguments. Je vais que tous les téléspectateurs, tous les auditeurs, connaissent que toute famille, c'est mon okaï. Ou est que moi-même, je suis campé, par exemple, moi-même, je voulais. Non, attendez. Non, la défense tradition avec principe. Ça veut dire que je défends tradition avec principe. D'accord. Grand-père, Max Mouraï, c'est un homme qui sortit chalonnier. Grand-même, Emmanuel Thune, papa, maman, c'est des gens qui font au caï. Et moi-même, le petit, traditionnellement, chaque année, régulièrement, nous sommes qui étaient passés vacances, mais campirés. Ou est presque du sud-là, et particulièrement le département du sud. Son bail que me gagne comme son bail que me gagne ensemble me bagain rien contre bail ou caï je veux rester non mais quel monde qui peut estimer que Leslie ou tap gon l'autre position par exemple sur partenaire comité pour le prince là ça c'est pas vrai du tout c'est pas vrai non ça n'est pas vrai donc on a toujours été à principe bon connaissant Leslie et même on est sur monde qui connaît pas monde qui pas connait si longtemps bon moi être fanatique Real Madrid parce que ouais m'pito le Brésil parce que l'Argentine même pas discuter comme ça encore à l'âge moi je veux être rationnel et scientifique et rechercher les arguments qui fait de nous-mêmes je vous en dis je défends les traditions mon comprendre ma vie perdue là même qui était très fondamental pour moi et d'ailleurs c'est une des raisons pour que je me pense à Leslie question sécurité sous stand yo. Qui ça qui a fait, qui garantit, qui gagne? Est-ce qu'il y a des normes de construction et qui est obligé de respecter? Voilà. Bon, moi-même, oui, il y a certaines choses, bien que qu'on ait un petit bail. Par exemple, hier, on a commencé à construire ce trottoir, alors que nous avons dit qu'on ne va pas construire ce trottoir, c'est en l'air construit, on a quitté le trottoir pour le peuple. Nèg là, comme lui-même, il est habitué à construire l'année dernière, avant, sous trottoir, il verrait sous trottoir. Donc, ça, c'est des bails qui peuvent le régler. Bon, on y a au niveau de sécurité des structures. Structure, là. Ça veut dire que moi-même, je ne dois pas parler de moi. Bon, mais on garde tout. On garde ça, la concurrence, ça fait bail comme ça. Moi-même, utiliser, sans utiliser pour Sten, et cela depuis 1978, c'est des frames de coffrage, pas des frames d'échafaudage. Et l'homme. L'échafaudage, c'est en métal là? Non, coffrage en métal. En métal tout, ok. Qu'on y a, c'est justement la capacité. Là, par exemple, moi-même, et Bill Cook, c'est qu'on fait longtemps, ou utiliser frame ça, ou bien toute sécurité. Son frame, que chaque pied, on doit prendre 10 500 livres de capacité. Okay. Ça veut dire que sur 8 pieds, on gagne 4 fois 10 500 livres. Ok? C'est pour qu'on frage les fêtes. Et on met quoi? Depuis qu'il construit avec un minimum de normes, il va jamais tomber. Ces derniers temps, moi, des nègres qui ont construit avec des frames d'échafaudage. Frames, ça veut dire 5 pieds de largeur. Capacité, pour y prendre poids, presque nul. Il fait pour prendre une, deux mounes sous lit, parce qu'il gagne 5 pieds. Et en plus de ça, les accessoires qui t'avalent avec frame 5 pieds, ça, pour mettre ça, il y a des U-head, pour mettre ça, il y a des adjusting, des pieds ajustables. Ça veut dire que, ou pas rejoindre. Ça veut dire que, il y a un peu de laisser aller dans ça. Moi-même, je n'ai pas les moi. Est-ce qu'on observe des sorties de secours, par exemple, qui est envisagée dans moi-même, tout par exemple. Ouais. Pas mandé, moi-même, les 6 mois, propriété Bill Cook. Et
monde responsable pour que monter même au bout de bois dans les sorties de secours. Pas mandim ça. Et ça a été l'une des plus grandes catastrophes. Le ou est bah, accident en fait. Il y a 2 ans ça va bah, comme ça. Ça veut dire que côté charité, il y a une route montée qui oui elle c'est sûr, c'est allié. Pas vrai. Qui était embouteillé avec des ayants droit bien que bagaille qui était venu garder carnaval parce que la loi doit être une pour tous. Qui était venu garder carnaval, il met typique bio là que il a fallu évacuer avec des problèmes. Mais ce qui est plus grave sur la main droite, la route qui descend vers le palais, bah, comme ça, tu es complètement obstrué du stand. Ça veut dire que tu es un petit couloir large, ça, pas vrai? Et quand il a fallu évacuer, pas vrai? Ça a été la catastrophe. Je pense. Est-ce que Anessa, comme on a comité, oui, le comité, elle me dit ça, pas mandé pour que je construise un stand. Là, aucun exit ni de sortie de secours. Au niveau CAE. Ça peut voir. Okay, c'est même bagaille là que n'a géré pour affaire sécurité là. Et Okay gagne plus moyen pour justement ou déboucher sur boulevard là. Okay, donc ça pas un souci. Les ont souci bien sûr parce que sécurité canal là sous deux bois sont souci. Oui, ils sont souci. Gagne espace gagne côté que a couvert pour permettre que moun yo capable descendre et la semaine dernière nous t'évoquons une question là puisque on se fait allusion à ça et question incendie et Gaël Pinson dit dernière fois il était sollicité en tant que m'a fait réclame pour les noms mais ce n'est qu'un rappel. C'était sous les events sport et magistrats et ils font une réquisition en extincteur depuis ça va jamais fait. Il dit que il pensait que à moins que vous sollicitez l'autre côté. L'alcoolé. Mais lui-même, il va jamais. Bon, Gaël connaît, il va pas solliciter l'autre côté. Bon, ça va. Bon, bah. Mais j'ai pu voir dans les années, bon, après magistrat Caplume, que dans certains scènes, certains chars de bah, musicaux, et même, bah, tu as 2-3 qui insectent. Mais c'est pas quelque chose. De systématique. Alors que c'est quelque chose qui aurait dû être. Chaque monde est système, parce que ça va pouvoir être. On est le norme. Il y a du vin à outil, c'est un métier là. Mais il faut que, comme on a dit, il y a un gros problème. Il faut qu'au moins le corps des pompiers tout paré, il y a de l'eau, par exemple. Si, et nous ne pas souhaiter ça, les gars, pour que il n'y ait aucun bail qui passe, bah, pour le cas intervenir rapidement. Mais tu as recommandé que ce soit au Cobra Locaï, ou bien Corée de Port-au-Prince, pas vrai, ou un stand qui a construit, ou a construit un stand pour vous. Pensez à ça, Gaël dit. Prévenir vaut mieux que Gaël. Au niveau de Kayou, pensez à ça. Et je ne pas croire que son bail, que nous parler de lui, réflexe ça là, même certain que les gens qui sont en sécurité avec le JC, que nous devons penser à Jean de Baïsa. Et c'est ça, on a parlé de nous. Globalement, il faut qu'on nomme, nous devons livre pour comment construire des stands, comment bâtir des chars et comment justement gérer la sécurité. Nous parlons d'un temps devant nous encore, on n'a pas avancé. Et question de sécurité, population, les gens qui prennent route nationale numéro 2 pour aller au Kayou, au niveau de la police nationale. La police nationale mobilisée, vous songez qu'en 2012, justement, à chaque 3 km, il y a des gens qui tapent d'eau, posent, pour aller sur le etc. Vous besoin de quantité pour le prince tout. Justement. Et non, et la police a géré ça. La police, elle fait élection sur tout le pays, il y a une journée, il y a un problème pour gérer deux gros carnavals dans la capitale avec Okay. Il y a plus que 1000 policiers qui ont sécurisé et carnaval et Okay là, pas au coup là avec les zones avoisinantes, puisque après carnaval, il faut qu'on aille à la caillou, etc., pour mettre et bail ça. Il y a plus que 1500 et ou est-ce que je suis au courant de bagages nationales? Mais c'est le même qui n'a pas fait. La mode, où est-ce le bruit? Mais le fond, non, mais donc il y a plus que 1500 volontaires. Écoutez, quand même, dis-le si vous avez que. Par contre, on va comptable. Donc vous connaissez que au Kayou police municipale qui a aidé dans la sécurité et puis bien. Combien oui. Et bon, mais maire a dit que au total de 1500 qui inclut justement police municipale plus monde qui a là pour accueil, hébergement et aider tout le monde sur tout là. Sans compter bien sûr. Question pour nous deux. Question pour nous deux côté spectacle rapidement en quelques secondes. Ça va se promettre. Ah belle bagaille. Belle. Qui ça? Belle bagaille. Oui, ça veut dire quoi? La Mayotte. Faut payer pour elle. La Mayotte. Moi-même, je suis content que Port-au-Prince ait vraiment dit que, dans toute interview que je m'entendais, qu'il y a focus sur l'artistique. Moi-même, qui pour moi-même très important, parce que je pensais que il y a longtemps que Port-au-Prince n'a pas mis focus sur l'artistique. Là. Au Kay, focus sur l'artistique, là, déjà, un monde qui suivent dimanche au carnaval, est-ce que au Kay, on va que c'était des journées et très artistiques. Il y a eu un pile de bagaille pour vous. Faites pas oublier que bon gros défi.
pour Okai. Okai pas qu'à faire plus bas que ça a été fait en 2012 et Okai a plus pression sous dole qu'on y a parce que tout le monde passait, en pile monde passait, que nous pas qu'à recevoir le carnaval là. Donc nous allons montrer que non seulement nous recevons le carnaval là, nous avons un bel carnaval et nous capable de gagner créativité, présenter couleur et puis bien sûr ambiance musicale assurée puisque tout gros ténor c'est Okai ou aller. En tout cas moi-même, je souhaite Karel bonne chance. Je souhaite un bon carnaval. Moi-même, réellement, on connaît, moi souhaite que malgré tout les bagages que Cabral, moi-même seul bah moi m'a fait appel à gouvernement. Pas oublier que nous avons une tradition, nous avons un que nous voulons qu'imbé, qui est le carnaval Port-au-Prince. Nous avons un bagage très que nous innover, qui était la Mayotte là, qui est très belle, avec tout le décor qu'on a fait de Rex Théâtre là. Mais tout secteur privé. Secteur privé. Pas oublier que le secteur privé, nous là avec nous, la Port-au-Prince là. Ok, d'accord. Allez, aidez au Okai. Fait que le réussit. Mais pas oublier votre presse. Mais pas oublier. D'accord. Pas oublier que. D'accord. Et nous-mêmes, nous là, pour l'année prochaine, tout comme le président a dit, c'est nous-mêmes. Mais on ne pas quitter la tradition en mourir. On nous, tout secteur privé, baille ça que vous êtes capable, avec tout ça que vous êtes capable, pour que nous-mêmes, tout, nous pas quitter le carnaval Port-au-Prince là, mourir. Pour que nous-mêmes, tout, nous capables de sortir un produit assez intéressant, ne pas quitter nous comme des parents pauvres pour que nous capables de faire ça. Moi, je souhaite tout, moi-même, je pense que après le carnaval, il faut que nous continuions à parler carnaval. Et je pense que faut que le comité ça est réuni, nous certainement pas réunir avec le comité au Canada, parce qu'en 2018, le carnaval a fait Port-au-Prince pour nous garder le temps. Mais je vais faire un coup d'état, mettre au dehors. Il va dans la communication, je vais arrêter toujours. Donc voilà, et puis je souhaite que nous ayons le carnaval et qu'on prenne le Port-au-Prince, qu'on descende au Canada pour dans ce route là et puis. Ambiance là-bas, c'est plus côté. Bon souhait. Secteur privé et l'autre là, et gouvernement, pas oublier le carnaval pour ton presse. Mais on parle de ça, tout le monde va dire rapide, depuis 30 secondes pour me dire. Faut que nous jouions une façon pour nous capables de permettre, l'un des secteurs privés, nous ne pouvons pas jouer un monde qui a mis 200, 300 000 dollars dans le carnaval. Un monde qui a mis 2 000 dollars qui a sponsorisé le carnaval dans la façon pâle. Faut que nous jouions un moyen pour nous faire capable de participer. On met et le secteur privé, petit fait pile, nous capables définitivement. Gain des carnavals qui en bas secteur privé en respect on mettait le comité carnaval pour que l'idée bail à dire pour le bagage pour qu'à discuter et puis pour nous capables échanger pour plus gros défi en réalité un comité permanent pour gagner tout un pour gagner plusieurs mois pour penser sur carnaval pour que c'est pas à la dernière minute il a annoncé que carnaval a fait Port-au-Prince il a fait Okai même quoi problème ça résout déjà il a annoncé que un calendrier il a annoncé un calendrier pour carnaval mais qu'on y a c'est est-ce que un calendrier pour exécution est-ce que comité ça a reconduit est-ce que l'autre comité, est-ce que vous allez mixer comité, est-ce que vous allez parler parce que si l'année prochaine sur Port-au-Prince, c'est que Mère Yuri Chevry avec toute équipe ça qui font bon travail pour le chita pour comment on va le faire pour monter un comité pour donc l'année prochaine si Dieu veut plein feu sur Port-au-Prince et les Slimourai on va gagner travail pour faire merci en pile nous t'es en émission très animé matin merci tout le monde qui suivent nous mon Dieu bon carnaval et puis ensuite c'est en train de nous entendre. En descendant et sous champ de Massa, place des héros de l'indépendance, oui. Nous entendons nous. Vinjouen-moi, ma Vinjouen-moi. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Karel Pedre et Leslie Mouraille étaient les invités de la rubrique. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt. Merci surtout de l'accueil. Pas oublier, prends pile précaution sur route là et puis. Nous avons boire alcool, mais pas trop. Parce qu'il faut avoir contrôle tête, non, surtout que si nous conduit. Merci en pile, c'est ton conseil de Métropole. Passez une bonne journée et puis à voir demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC.